Thank you. This is Stanley, the Falkland Islands Broadcasting Station. Been instructed by the Governor of the Falkland Islands to call you and ask you to repeat the message. For the purpose of avoiding bloodshed and property damage among the population, we hope that you shall act prudently. Our concern is for the welfare and safety of the people of the Malvinas. This was the message from the Argentine Armed Forces. 2 avril 1982, 4 heures du matin. Les caméramens de la marine argentine filment l'invasion des îles Malouines. Les premiers à toucher terre sont des hommes grenouilles venus d'un sous-marin, suivis du corps expéditionnaire argentin. Pour l'Argentine, c'est un jour historique. En tant qu'Argentin, j'étais très ému. Et aussi en tant que professionnel, bien entendu. Ému en tant qu'Argentin car j'étais très fier de participer à la récupération des îles Malouines qui étaient restées si longtemps sous domination britannique. This is the Falkland Islands Broadcasting Studio. Now, we've just had a call from Alistair Grieve. Alistair, I understand that you've sighted some of the vehicles, have you? I had a quick look down through the curtains and all I could see was smoke, so I honestly haven't a clue what's happening, but there's been some really heavy bangs, the whole place is shaking. And where are you giving this report from, Ali? Are you standing up, sitting down, or what are you doing? I'm lying on the floor, boy. Now, the situation, as you might hear, is that the radio station has now been taken over. We have three Argentine members. We have everything recorded in two tapes. Yes. Okay, for the population. Well, just a minute. Señor, un minuto! If you take the gun out of my back, I'm going to transmit it to you. If you take the gun away. But I'm not speaking with the gun in my back. On était tous extrêmement inquiets. On se demandait ce qui allait nous arriver, si on allait être tués ou emmenés en Argentine. On avait tous entendu parler du régime, du gouvernement militaire argentin et de ce qu'il avait fait à son peuple. On savait qu'il voulait les Malouines. On ne savait pas ce qui nous attendait. À 7 heures du matin, après de violents combats, le siège du gouvernement est complètement encerclé. La grande différence entre nous et la marine britannique, c'est le manque de motivation que personnellement j'ai perçu dans ces actions. Or, la motivation provient avant tout de la cause qu'on défend. Nous défendions ce qui nous appartenait. Eux, en tant que militaires et en tant que professionnels, défendaient ce qu'on leur avait demandé de défendre. En este mapa que vemos acá de la República Argentina, las Malvinas aparecen ubicadas en la zona austral. Toda esa distancia que hay está separada por el mar. Ese mar que es el mar argentino y que está. À l'époque, les Malouines sont une cause nationale en Argentine. Dans les écoles, on parle aux enfants de leurs terres perdues. On leur explique comment les Britanniques leur ont volé ces îles en 1833. Este mapa. Et on leur montre qu'elles font partie du plateau continental argentin. La plataforma continental va ser la prolongación del continente por debajo del agua. Vu d'Amérique latine, les prétentions britanniques sur les Malouines paraissent absurdes. Une dictature, aussi impopulaire soit-elle, serait acclamée si elle parvenait à les récupérer. À Buenos Aires, la nouvelle du débarquement est accueillie par des foules en délire. La violence du régime militaire, la crise économique, du jour au lendemain, tout est oublié. Le rêve national de réoccuper les Malouines est devenu réalité. Je ne vous cacherai pas que ce fut une immense joie, aussi immense que l'émotion que nous avons ressentie en voyant la place de Mai se remplir. Et tout le monde applaudir la décision, toutes tendances politiques confondues.
En voyant que même les syndicats qui avaient fait grève quelques jours plus tôt et défilé sur cette même place applaudissaient et soutenaient la position de l'Argentine, je ne vous cacherai pas que ce fut l'un des moments les plus émouvants et les plus importants de ma vie. À Londres, on crie au scandale. Comment le gouvernement a-t-il pu permettre l'invasion d'un territoire britannique ? Au Parlement, les séances sont houleuses et rapidement suivies de démissions. And I have been responsible for foreign affairs. And I do not think it is right that when that happens, the minister responsible should just go on as if nothing had happened. And I think that the honourable thing to do is to resign. C'est un coup porté au prestige de la Grande-Bretagne. Le gouvernement fait appel à l'armée. On était tous persuadés que ce serait fini avant qu'on arrive. On imaginait quelques troupes sur une petite île qui détalerait en voyant arriver la Royal Navy, et on n'en parlerait plus. On se demandait pourquoi on va aller envahir un pays qui doit être au nord de l'Écosse, car personne ne savait où se trouvaient les Malouines, en tout cas pas moi. Pendant des années, j'avais dit que si jamais une guerre se déclarait, je repartirais à la nage à Belfast où je suis né. Pas question de faire la guerre. C'est pas pour ça que je m'étais engagé. Je voulais pas y aller. Je me suis dit, si, il faut que j'y aille. Les contribuables me paient un salaire depuis des années et pour une fois, ils m'appellent. Ils nous appellent tous. Lorsque le corps expéditionnaire britannique franchit les tropiques en direction du sud, peu à bord s'imaginent partir faire la guerre. On devait apprendre l'espagnol. En gros, tout ce qu'on nous a enseigné, c'est Manos Arriba et Rendase, ce qui veut dire les mains en l'air et rendez-vous. On ne voyait pas l'intérêt d'apprendre des phrases du type « je me rends ». Pendant ce temps, les Malouines se transforment en camp militaire. Des milliers de jeunes appelés arrivent d'Argentine. Quand je suis entré dans la ville pour la première fois, je me suis rendu compte que tout était en anglais. Il n'y avait rien d'argentin. Il y avait juste une citerne de la compagnie pétrolière YPF qui me rappelait mon pays. Il m'est arrivé une anecdote amusante. On a trouvé une petite clé. Dessus, il était marqué « Made in England ». On se disait « Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je ?» On se croyait parti pour défendre les gens de là-bas, en tout cas c'est ce que moi je croyais, et on découvrait des étrangers. C'était à se demander si les envahisseurs étaient ceux qui vivaient là ou ceux qui arrivaient. Malvinas Operation Theater Command, communiqué number 4, guarantees the continuity of the way of life of the people of the islands, respect for private property, freedom to enter, leave or remain on the islands. Furthermore, the population is exhorted to continue normally with their activities. Je suis très fier de pouvoir dire que durant toute la période que nous avons passée dans les Malouines, et en dépit de l'augmentation du nombre de soldats, qui donnait à Puerto Argentino l'allure d'une petite île au milieu de 10 000 soldats, aucune infraction ni tentative d'infraction n'a été commise.
On a déploré aucune agression physique, seulement quelques cas de violation de domicile. Ces cas ont donné lieu à des conseils de guerre et à des sanctions appropriées d'officiers, de sous-officiers ou de soldats. Les États-Unis n'ont aucune envie d'une guerre entre deux de leurs alliés les plus proches. C'était un conflit en tout point étrange. L'affaire semblait beaucoup moins importante que ne le manifestaient les deux camps. Les îles Malouines ne semblaient pas, en elles-mêmes, objectivement très importantes. Je crois pouvoir dire que c'était la vie de tous. Et pourtant, tout à coup, elles étaient devenues l'objet d'un conflit et d'une tension énorme. Alexander Haig se démène pour trouver une solution négociée. David Gompert a fait partie de sa mission de conciliation. Le souvenir le plus marquant de cette rencontre à Londres, c'est Madame Thatcher. Sa façon de présider le cabinet de guerre et de parler au nom de la Grande-Bretagne dans les négociations. Elle laissait d'autres qu'elle exposer certains aspects dont ils étaient spécialistes, mais dans tous les cas, elle avait le dernier mot. Et parfois, elle passait clairement outre la décision d'un haut responsable de son cabinet. Elle n'a jamais eu le moindre doute. Il est arrivé que certains d'entre nous, à un moment ou à un autre, se disent « Ne devrions-nous pas céder un peu plus ? Cela ne permettrait-il pas d'éviter le problème que nous n'avions pas encore affronté ?» Celui d'un débarquement sur les Malouines. Elle était très déterminée. À Londres, l'ambiance n'était pas vraiment à la négociation. La position britannique était simple. Des troupes étrangères occupent un territoire qui est sous la responsabilité du gouvernement de Sa Majesté. Ce dont il s'agit, c'est du retrait de ces troupes, pas d'une négociation des conditions de ce retrait. Ce sont à peu près les seuls encouragements que nous avons reçus de Londres. À bord des vaisseaux britanniques, l'ambiance change à mesure qu'ils progressent sur les eaux tumultueuses de l'Atlantique Sud. Plus ils se rapprochent des Malouines, plus la préparation militaire s'intensifie. J'étais convaincu qu'on allait se battre. J'ai beaucoup trop d'imagination pour jouer les va-t-en-guerre ou les casse-coups. Et mon commandant de compagnie, John Kisley, pensait la même chose. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue en regardant une photo qu'on venait de prendre de toute la compagnie. Il m'a dit, c'est triste, mais si on prend la même photo à notre retour, certains de ces visages ne seront plus là. À Buenos Aires, la mission de conciliation rencontre un accueil très mitigé. It is clear tonight that the task will not be easy. But the stakes are so great that they demand the ultimate effort on the part of all participants in these discussions. Thank you. Dans la rue, c'est l'euphorie. La junte au pouvoir s'engage à ne jamais rendre les Malouines. L'Argentine ne renoncera jamais à ses droits naturels sur ce territoire. Il y avait dans leur attitude une espèce de légèreté, comme s'ils n'étaient pas vraiment sérieux, comme s'ils n'avaient pas pris la mesure de ce qu'était une guerre. Ils n'avaient pas conscience de la tragédie que constitue une guerre et la perte de vies humaines. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils allaient être vaincus. Comme je n'ai pas manqué de leur souligner, ils étaient certains de perdre. Ils n'avaient aucune expérience de la guerre et ils allaient combattre l'une des premières grandes puissances mondiales.
Ils ne parvenaient même pas à aborder le problème sérieusement. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il était évident à ce stade qu'ils avaient décidé de faire la guerre seulement parce qu'ils étaient incapables de prendre, ensemble, la décision de ne pas faire la guerre. C'est notre incapacité à parvenir à un accord, à trouver un terrain d'entente à Buenos Aires, qui a levé le dernier obstacle et permis aux deux armées de se déclarer la guerre et à la tuerie de commencer. Nous sommes le 1er mai. La Grande-Bretagne lance une attaque aérienne contre les positions de l'Argentine autour de Port Stanley. We were probably far more overconfident than we should have been. On était sans doute beaucoup trop confiants. Le sentiment général se résumait à « donnons une bonne raclée aux Argentins » et très vite, ils se raviseront et diront « c'est bon, on s'arrête là ». Et ça sera fini. Mais l'Argentine n'est pas sans moyens face à la task force britannique. Elle a aussi une marine puissante, déterminée à débusquer la flotte britannique pour la détruire. Elle a acquis de nouveaux navires de guerre équipés de missiles modernes. Mais sa plus grande fierté est le croiseur USS Phoenix, datant de la Seconde Guerre mondiale et rebaptisé du nom de l'un des plus grands héros argentins, le général Belgrano. Le sous-marin nucléaire Conqueror patrouille l'Atlantique Sud depuis 15 jours et suit le Belgrano depuis 2 jours. Le 2 mai, à 16h, sur ordre direct de Londres, le sous-marin britannique lance 3 torpilles sur le croiseur. Deux touchent leur cible. C'est la première explosion qui a provoqué le plus de morts dans le vaisseau. On estime à environ 275 le nombre de victimes de l'explosion elle-même, de l'onde de chaleur et de l'inondation progressive de tous les compartiments. Quatre secondes après le premier impact est survenu le deuxième, à 15 mètres de la proue, de telle manière que l'avant du navire sur 15 mètres a disparu dans la mer. J'ai pris la décision d'ordonner l'abandon du navire. Pour le commandant d'un navire, c'est la décision la plus importante et la plus tragique de toute sa carrière. On se sent impuissant car on sait qu'il y a encore des hommes en bas, mais qu'on ne peut pas les sortir de là. Même si on y est pour rien, on se sent impuissant. Il fallait déjà s'occuper du pont et des brûlés qui s'y trouvaient pour essayer de les transporter dans les canaux. On sait qu'on perd beaucoup de camarades qui sont en bas, qui savent qu'on est sur le pont et attendent qu'on vienne les sauver. On est triste de ne pas pouvoir le faire. Vous saviez qu'en bas, il y avait vos collègues ? Oui,
Vos amis? Certains l'étaient, oui. Et vous ne pouviez vraiment rien faire? Rien. Les canots de sauvetage du Belgrano partent à la dérive à des températures inférieures à zéro, poussés vers l'océan Antarctique par des vents violents. Certains sont retrouvés deux jours plus tard par le navire hôpital Bahia Paraíso. Beaucoup de marins du Belgrano meurent de froid, gelés dans leurs embarcations. Commander speaking. Today we've had a large measure of success. The Belgrado, the Argentinian cruiser, has been torpedoed to the south of the Falkland Islands by one of our SSNs. Mais l'euphorie du côté britannique ne va pas durer longtemps. Les pilotes de la marine argentine ont bien l'intention de riposter. Il décolle du sud de l'Argentine, équipé de missiles Exocet, bien décidé à se venger. Le destroyer Sheffield est loin devant la flotte britannique à la recherche de navires ennemis. Blind, AWOL, one pop of target, 010010. Go flash, direct the radar. On observait la mer qui était très calme et j'ai cru apercevoir quelque chose qui ressemblait à une torpille venant vers nous car je voyais l'eau frémir et scintiller. J'ai dit, je crois que c'est une torpille. Le pilote a dirigé ses jumelles sur le même endroit et a répondu, non, c'est un exocet. Les officiers de quart et les autres membres de l'équipage de pont se sont mis à couvert. Mais je me souviens que moi-même et le second officier de quart sommes restés fascinés par l'arrivée du missile. J'ai du mal à y croire quand j'y repense. Mais on l'a regardé pratiquement jusqu'au moment de l'impact, avant de nous blottir par terre. San Carlos, le lieu choisi pour le débarquement britannique. Les forces spéciales de la marine britannique observent la zone en secret depuis des semaines. À leur grand étonnement, elle est très faiblement défendue. Il y avait beaucoup d'endroits qu'on ne pouvait pas défendre. L'objectif principal était Puerto Argentino. C'est là que nos moyens étaient concentrés en raison de nos problèmes de logistique et de mobilité. Les Argentins étaient entraînés, ou en tout cas influencés, par les Américains. Et ils pensaient que nous l'étions aussi. S'ils avaient été à notre place, ils auraient débarqué à Stanley. Et ils sont partis du principe que, comme nous étions influencés par les Américains, nous débarquerions là aussi. Nous n'avons pas fait ce choix, ne serait-ce que parce qu'il aurait provoqué des ravages absolument impardonnables parmi la population civile. Or, ça ne correspond pas à la méthode britannique. Nous sommes partisans d'une approche plus subtile. Je suis monté à mon poste d'observation. La brume avait commencé à se lever et je voyais non seulement la frégate qu'on m'avait décrite, mais aussi plusieurs gros navires, d'autres frégates et des dizaines d'hélicoptères qui se dirigeaient vers l'île. C'était très impressionnant. D'abord parce que je dois avouer que je n'avais jamais vu une flotte d'une telle ampleur, encore moins dans une opération de débarquement, et encore moins dans un débarquement de 5000 hommes contre 1040. Le débarquement lui-même était un peu comique, dans le sens où on s'était tous préparés à une guerre, mais où on ne rencontrait aucune opposition.
On voyait 500 ou 600 parachutistes descendre en hurlant d'un navire de débarquement sur une plage. Ils n'avaient jamais fait ça auparavant, et ils étaient tellement habitués aux parachutes, dans les combats ou à l'entraînement, que ça a été un peu la cohue le temps que les compagnies se regroupent et retrouvent leur mission. Si le débarquement avait rencontré une opposition, je crois qu'on aurait eu des sacrés problèmes au début. Durant le débarquement de ses troupes, le général de brigade, Julian Thompson, craint une attaque aérienne sur les navires ancrés à San Carlos. Il tente de prévenir Londres sans succès. J'avais pleinement conscience d'être responsable de la vie d'un très grand nombre d'hommes. J'ai envoyé une lettre dans laquelle je disais « Nous effectuerons bien entendu le débarquement puisque c'est ce qu'on nous a demandé de faire. » Mais sachez que si l'ennemi parvient à nous attaquer par voie aérienne, les pertes seront extrêmement lourdes. Un homme politique ne doit jamais montrer aux conseillers militaires qu'il craint des pertes trop importantes. Car en faisant cela, il incite à la prudence toute la chaîne de commandement au moment où celle-ci n'est pas forcément de mise. Quand on pilote un chasseur à réaction, ou on est bon ou on est mort. Et ça vaut pour tous les pays. Il faut d'excellentes réactions et il faut être bon. Or, les Argentins, ce sont des pilotes de course, des joueurs de polo. Ils sont parfaits pour piloter un chasseur. Le radioaltimètre indiquait 30 pieds. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu l'alarme du radioaltimètre, ce qui voulait dire que j'étais en dessous de l'altitude de sécurité. Tout ça à 450 nœuds. C'est un peu particulier. C'est là qu'on a vu la frégate. Et on a commencé à se déployer pour l'attaquer. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient attaquer un navire. Ils se sont alignés les uns derrière les autres et ont fondu sur nous dans l'axe de la poupe. Le capitaine a donné l'ordre de passer à la vitesse maximale. On a essayé de mettre un 20 mm en position de tir, mais le capitaine avait beau manœuvrer, il y avait toujours un avion aligné sur la poupe, prêt à nous fondre dessus. Le navire réagissait bien. Il était passé à la vitesse maximale, et je voyais qu'il cherchait à rejoindre les eaux ouvertes au milieu du canal. Au moment où je l'ai survolé et où je m'apprêtais à appuyer sur le bouton, il a viré brusquement à bâbord. Et c'est là que j'ai largué mes bombes, puis que j'ai dégagé. Le commandant du navire m'a donné l'impression de connaître son travail. Après mon dégagement, j'ai entendu mon équipier me dire « bien joué », ce qui voulait dire que certaines de mes bombes avaient atteint leur but. Mon pilote, Mike Crabtree, est devenu très silencieux lorsqu'on a survolé la colline et qu'on a traversé le nuage de fumée. À l'arrière, on ne voyait pas ce qui se passait. On sentait juste une odeur de fumée. Et puis on a soudain vu le spectacle sur bâbord. Et je n'oublierai jamais cette vision. Le navire était en proie aux flammes de l'enfer. Il avait jeté l'ancre, le canon pointé vers le ciel, sans puissance hydraulique.
Le pont d'envol était pulvérisé et comme ouvert avec un ouvre-boîte. Je leur ai donné l'ordre d'abandonner le navire, puis je suis resté seul sur le pont. Presque tous mes hommes avaient évacué. Yarmouth avait arrimé sa poupe à notre proue car nous étions en train de couler. J'ai fini par quitter le pont pour rejoindre l'autre navire. C'était très triste. Je sais que quand on s'est éloigné, beaucoup dans l'équipage pleuraient. Et vous ? Moi aussi. Chez les pilotes argentins, les pertes sont lourdes. Peu sortent vivants des avions abattus. Mais malgré la destruction de nombreux chasseurs argentins, la Task Force n'est pas à l'abri d'autres attaques aériennes. Le 25 mai, l'Atlantic Conveyor est frappé par un missile Exocet. Les forces britanniques, qui prennent position à San Carlos, sont retardées par la perte du matériel que transportait l'Atlantic Conveyor. Mais Julian Thompson subit les pressions de Londres, qui veut poursuivre la guerre. À ce moment-là, il était clair qu'en Angleterre, il y avait un besoin politique de victoire. On voulait nous voir agir, nous voir gagner. Nous étions beaucoup à craindre au début qu'avec une tête de pont à San Carlos, nos troupes restent bloquées là, sans réussir à en sortir. Car tout le monde se souvient du temps qu'il nous a fallu pour sortir de la tête de pont en Normandie. À l'échelle des Malouines, c'était une petite zone. Mais si on était resté immobilisé dans cette toute petite zone, on aurait eu beaucoup de problèmes, sur tous les plans, et notamment sur le front diplomatique. Car si on ne bougeait pas, les demandes de cesser le feu allaient se faire plus pressantes, et de cesser le feu assorties de conditions qui ne nous auraient pas été favorables. C'était donc très risqué. C'est pourquoi il fallait absolument sortir de là. Si on veut bien, ou en tout cas si on n'est pas contre l'idée de mourir pour sa reine et pour son pays, on n'a pas la moindre envie de le faire pour des hommes politiques. J'étais souvent convoqué au radiotéléphone pour m'entretenir avec le commandement supérieur à Northwood. Et je me souviens notamment, après une conversation téléphonique particulièrement irritante, être sorti de la tente en me disant, passablement énervé, « Je gagne la guerre pour ces connards et après, je m'en vais. » Sur ordre direct de Londres, le 2e bataillon de parachutistes lance une attaque sur une place forte ennemie à Goose Green. Il fait noir. Il y a un bruit assourdissant. Une pluie de projectiles qui s'abat sur vous. Des grenades au phosphore qui explosent pour faire de la fumée et projeter une lumière aveuglante. Des balles traçantes qui viennent vers vous et partent de vous. Il y a la peur qui vous tenaille. Vous approchez des tranchées. Vous lancez des grenades. Vous tirez. Vous frappez à la baïonnette. C'est un combat sauvage, barbare. Vous n'avez jamais rien vécu de semblable. C'est de la tuerie. Lieutenant Barry. Thank you.
À côté de l'enclos où étaient enfermés les prisonniers de guerre, il y avait un stock de munitions qu'il fallait déplacer. Or, on le soupçonnait d'être piégé. On a demandé aux officiers argentins de déplacer les munitions pour leur sécurité. Ils ont désigné des officiers et des soldats pour les déplacer. C'était des obus et des mortiers. Ils se sont mis au travail. Et on a soudain entendu une explosion. Le stock était piégé. Le soldat le plus près de la mine s'est retrouvé prisonnier des flammes et des explosifs. La seule chose qu'on pouvait faire pour lui, comme on ne pouvait pas l'approcher, c'était l'abattre. Pour le sortir de cet enfer, parce qu'il n'y avait rien humainement qu'on puisse faire pour lui. Je me suis dit, j'ai de la chance. Il régnait un silence de mort, une obscurité totale, un froid glacial. Puis les idées ont commencé à se bousculer dans ma tête. J'ai senti les larmes couler en repensant aux gars qui étaient morts ce jour-là et à ceux plus nombreux qui mourraient le lendemain. J'avais une boule dans la gorge. Je suis resté allongé pendant au moins 2 heures à repasser mentalement les événements de la journée. Des renforts arrivent à San Carlos en prévision de l'offensive sur Port Stanley. Pour lui éviter une longue marche, on embarque le détachement gallois sur le navire Sir Galahad, qui appareille pour un endroit baptisé Bluff Cove. Mais en raison du mauvais temps, le Sir Galahad est dérouté vers une petite crique appelée Fitzroy. Le major Ewan Sosby Taylor est horrifié de voir arriver le navire. En plein jour, rempli de soldats, c'est une proie idéale pour une attaque aérienne ennemie. Le major demande son évacuation immédiate. Sur la terre ferme, à moins de 200 mètres du navire, les soldats seront en sécurité. J'ai expliqué à l'officier supérieur que j'ai réussi à contacter sur le Galahad que mon avis, professionnel et réfléchi, donné en qualité d'officier de débarquement ayant consacré presque toute sa carrière aux combats amphibies, était qu'il fallait les débarquer, puis attendre. Il soutenait que sa destination était Bluff Cove et non Fitzroy. Je lui soutenais tout aussi catégoriquement qu'il était hors de question que je les emmène à Bluff Cove en plein jour. L'attaque de l'un de mes bateaux, qui a été coulé quelques heures plus tard, m'a malheureusement donné raison. Je lui ai fait valoir que la rive n'était qu'à 180 mètres et qu'il faudrait environ 20 minutes pour débarquer tous ses soldats. Il a répondu qu'il ne voulait pas placer ses hommes près du stock de munitions que nous avions récupéré du Sir Tristan. Nous avions nos embarcations à proximité pour les en éloigner. Je lui ai expliqué qu'on était en guerre, qu'on ne pouvait observer les mêmes principes qu'en temps de paix et que ces hommes étaient en très grand danger. Je crois que c'est l'argument que j'ai employé le plus souvent. Finalement, dans un accès de colère, je lui ai dit qu'il se conduisait de façon totalement irresponsable et que je refusais toute responsabilité dans ce qui arriverait à ces hommes. Et malheureusement, la suite a prouvé, 3 ou 4 heures plus tard, que j'avais raison. On voyait des corps crier, hurler, le navire n'était plus qu'une énorme boule de feu. Les flammes n'avaient nulle part où s'échapper. Elles sont revenues vers moi et ont gagné mon dos, mes jambes. Et c'est là que j'ai pris feu. J'ai essayé de sortir, mais je suis tombé. C'est comme ça que mes mains ont pris feu. Thank you.
Le pont était rouge vif, comme du fer chauffé par un forgeron. J'avais l'impression de voir double. Il y avait ma main et des lambeaux de peau. La peau de ma main s'était détachée et pendait au bout. On aurait dit un gant qui pendait à chaque main. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient. Pas longtemps, en tout cas. Tout ce que j'avais, c'était une sensation de brûlure dans le bas de la jambe gauche. Ça ne m'a pas inquiété. J'ai tout de suite voulu me relever. Je me souviens d'avoir regardé ma main parce que c'était ça qui m'inquiétait le plus. Elle était en train de fondre. Mais quand je me suis relevé, ma jambe n'était plus là. Il n'en restait que des lambeaux. En regardant autour de moi, j'ai vu d'autres blessés, sans doute des copains, mais il n'y avait pas moyen de les reconnaître. Ils avaient le visage noir et les cheveux brûlés. La peau était toute noire. Elle commençait à former des bulles et des espèces de croûtes. Et il y avait une odeur horrible. Tous les brûlés sont soignés au même endroit, dans le mess des officiers du navire Ouganda, transformé en salle de soins. On sentait une affreuse odeur de brûlé. À côté du mess, il y avait une petite coquerie. On aurait cru que quelqu'un y avait brûlé des toasts. On ouvre la porte et on se retrouve face à 40 lits et 40 visages noirs. On a un sentiment d'horreur, j'imagine. Et on n'a qu'une envie, c'est de refermer la porte et de s'enfuir en courant. Puis on se dit, il faut absolument que je cache l'horreur qui se lit sur mon visage. On entre, on essaie de sourire et de se mettre au travail. Ils n'avaient presque plus de cheveux et plus de cils ni de sourcils. Leurs mains, à ce moment-là, avaient été placées dans des sacs de flamazine. Ce sont des sacs remplis d'une pommade spéciale qu'on utilise pour les brûlures très graves. Je n'avais qu'une envie, retourner dans ma chambre et pleurer toutes les larmes de mon corps. J'avais énormément de peine pour tous ces gens. J'aurais pu débarquer ces hommes en 20 minutes, ça ne fait aucun doute. Et il suffisait d'avoir un soupçon de professionnalisme pour décider de suivre les conseils du spécialiste sur place, quel que soit son grade. Mais malheureusement, je n'avais pas le grade de lieutenant-colonel, le seul qu'il était disposé à écouter, semble-t-il. Je crois que dans toute ma carrière, je n'ai jamais été aussi furieux, même si je n'étais pas directement concerné. C'est en tout cas la seule fois de ma carrière où je me suis senti presque honteux d'être associé à une opération qui tournait mal. Et même si je me reproche en partie de n'avoir pas insisté plus vigoureusement encore pour qu'ils soient débarqués, je ne me sens pas responsable de la mort de ces hommes. Et ça me travaille encore aujourd'hui, 5 ans plus tard. Cent kilomètres séparent San Carlos de Port Stanley. 100 kilomètres que les troupes britanniques doivent parcourir à pied.
une marche dans des conditions extrêmement difficiles, à des températures inférieures à zéro, dans la neige ou sous une pluie battante. Tandis que les troupes britanniques approchent, les conscrits argentins, eux, attendent. Retranchés dans les montagnes autour de Port Stanley, ils se préparent pour les derniers affrontements. Dans les derniers jours, on se disait combien d'entre nous vont mourir ? 5, 10, 20 ? C'est désespérant de ne pouvoir rien faire, d'attendre la mort, de savoir qu'on va mourir. On se met à repenser à tout ce qu'on a fait dans la vie. Mais à 19 ans, qu'est-ce qu'on a eu le temps de faire ? Du côté britannique, l'attente est tout aussi angoissante. Les troupes bivouaquent en attendant l'ordre d'attaquer. Il ne se passait rien. On sentait une sorte de tension électrique. On avançait en formation espacée, mais toujours rien. On attendait. Au bout d'un moment, on a commencé à se sentir presque soulagé. On se disait, ils se sont tirés, ils ne sont plus là. Au moment où on commençait à se dire ça, d'un seul coup, l'horizon s'est littéralement illuminé dans une explosion d'éclairs blancs. Cette première attaque a été assez incroyable. C'était comme être planté devant une mitrailleuse. Il y avait un vacarme incroyable. Pendant une minute ou deux, on a été un peu abasourdi. On avait vraiment l'impression que si on levait une main, même de quelques centimètres, elle serait fauchée. Les troupes britanniques poursuivent leur progression vers Stanley, laissant derrière elles un champ de bataille jonché de cadavres argentins, que certains ont la tâche affreuse d'enterrer. Le premier que j'ai vu avait toute cette partie du visage arrachée. Il avait des blessures sur le torse. J'ai pris ses plaques d'identification. En le faisant, je n'arrêtais pas de parler. Je disais, bon, je vais détacher ses plaques d'immatriculation. Voilà, c'est fait. Pas parce que je voulais en informer les autres, évidemment, mais parce que j'essayais de m'empêcher de penser à cet homme. On retrouvait leur portefeuille avec la photo de leur femme et de leurs enfants. Je les regardais en me disant, ça aurait pu être moi. Tous les corps qu'on a vus étaient complètement tordus. On voyait le supplice qu'ils avaient traversé au moment de mourir. Leurs jambes étaient toutes tordues, leurs bras. Puis on a trouvé un officier argentin blessé à l'estomac. Je ne sais plus qui l'a trouvé. Les gars m'ont appelé, viens par ici, Lou, regarde ce type. Je suis allé voir. Il s'est mis à me parler en anglais. Il m'a dit qu'il ne savait pas non plus pourquoi on se battait. J'ai de la peine en pensant à ces corps. À l'état dans lequel ils étaient et à la façon qu'on a eu de les jeter dans un trou. Um,
C'était des enfants. Celui qui était blessé... J'aurais préféré qu'il ne parle pas anglais. Il est mort. On peut s'arrêter un instant. Il m'a fallu 4 ans pour arriver à pleurer. Parce qu'évidemment, on ne peut pas pleurer sur le coup. On a un boulot à faire et on le fait. Je continue à me dire... En ce moment même, je me demande pourquoi je pleure. Je crois que j'arrive pas à les considérer comme des ennemis. On s'est rendu compte qu'on n'avait plus de quoi faire face. Il ne restait de notre artillerie que 10 à 12 pièces utiles tout au plus. On ne pouvait pas compter sur un soutien aérien direct pour les remplacer. Les Anglais maintenaient leur flotte pour renforcer leur offensive. Nos unités étaient très fatiguées. Elles avaient perdu l'essentiel de leur équipement. La poursuite des combats n'aurait eu pour conséquence que la perte inutile d'autres vies humaines. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et après plusieurs entretiens avec mes supérieurs, j'ai décidé d'accepter le cessez-le-feu proposé par les Anglais, ce qui a ensuite donné lieu aux discussions nécessaires. Quand j'ai découvert Stanley au détour d'une rue, je me suis dit, putain, est-ce que ça valait vraiment tout ça? Ça sentait mauvais, c'était sale. Ça ne correspondait pas à l'idée que je m'étais faite de Stanley. La ville était dans un désordre indescriptible. Il y avait des armes et des munitions qui traînaient, un cadavre ici, un cadavre là. On voyait une croix rouge sur presque tous les bâtiments et il y avait cette odeur, si reconnaissable, de mort. On s'est installé à l'étage d'une petite maison qu'on a réquisitionnée et qu'on partageait avec l'une des compagnies du 2e régiment de parachutistes. Cette nuit-là, on a écouté sur l'une de nos radios le BBC World Service. Et on a appris de la BBC, qui se trouvait à 13 000 km, que l'Argentine capitulait, à 700 mètres de là où nous étions.
On s'est tous sentis extrêmement soulagés. Je me suis surtout dit que plus aucun jeune homme n'allait devoir mourir. Ça n'avait rien à voir avec une victoire au football. C'était juste un immense soulagement. C'était fini et on allait rentrer chez nous. On est arrivé tôt le matin. Il y avait des petites embarcations partout, remplies de gens venus nous accueillir. C'était génial. On se disait qu'on n'avait pas fait ça pour rien. Même si en apparence il y avait une fête extraordinaire, le retour a été, pour beaucoup d'entre nous, une expérience assez mitigée. D'une certaine manière, on n'avait pas envie de quitter l'environnement dans lequel on avait passé tant de temps, au milieu de nos compagnons, de nos amis, de nos connaissances, pour un monde plein de gens qui ne savaient pas ce qu'on avait traversé. Enclin peut-être à mal interpréter les événements ou à se réjouir de la victoire pour de mauvaises raisons. J'ai éprouvé même une certaine réticence à descendre la passerelle du navire au milieu de toute cette agitation. Il n'y a pas de bon moment. Ce n'est qu'une grande tragédie. La guerre est une entreprise chaotique, sale et pitoyable. On ne devrait jamais se laisser entraîner à l'affaire. We the British people are proud of what has been done. Proud of these heroic pages in our island story. Proud to be here today to salute the task force. Proud to be British. Bienvenue à tous dans ce vol ici aux îles Malouines, pour illustrer la vidéo que vous avez vue sur ce nouvel épisode de l'aviation et l'histoire. Nous allons donc survoler, nous promener au-dessus de ce champ de bataille mémorable, mémorable de la bêtise humaine et de son côté absolument illimité. Mais bon, voilà, c'est un lieu d'histoire que je vais vous faire découvrir. Alors, concernant notre vol, nous allons décoller ici de Port Stanley, de l'aéroport qui est là. Alors ça, c'est une carte dont les données sont de l'époque, 1982. Nous allons remonter en chemin inverse la progression des troupes britanniques jusqu'à leur point de débarquement qui est ici, la baie de San Carlos. Nous irons y voir également l'île de Peeble Island, sur lequel il y a un aérodrome, d'où décollaient des avions argentins qu'on appelle des Pucaras, dont la mission était évidemment de harceler les troupes britanniques. Puis nous irons à Goose Green, où normalement il y a également un autre terrain où étaient basés ces avions-là. Puis nous allons remonter la partie sud de la progression britannique, et ce coup-là dans le bon sens, jusqu'à Bluff Cove, un endroit où il y a eu un drame absolu, un débarquement très mal organisé par les Anglais qui a conduit, vous l'avez vu dans le documentaire
très touchant à un drame total, la perte de nombreux soldats britanniques ici. Et enfin, si tout va bien, nous nous reposerons à Port Stanley. Alors nous sommes dans le sud du sud de l'océan Atlantique. La météo, bah ici c'est entre les deux, on va dire que autant pour nous on est presque au printemps, bah on va dire qu'ils sont quasiment en automne. Il fait encore, je pense, assez beau, mais il y a toujours du vent ici au Malouines, un vent très fort qui souffle en général de l'ouest. Vous voyez les secteurs habités, hein, 35, moins de 35, bon, on va voir ce que ça donne cette région. L'avion utilisé pour notre vol, c'est un PA-28. Je vous le montre rapidement. PA-28 train rentrant, qui, dans la version Flight Sim 2020, a un petit bug qui va m'amener à décoller sans volet et à me poser sans volet, ce qui malheureusement me contraindra à me poser que sur des pistes relativement longues, donc Port Stanley potentiellement, mais difficilement les autres. Alors quand je dis les autres, je vous montre juste la carte VFR des îles Malouines. La carte VFR de Flight Sim, il y a énormément de petits terrains, il y en a partout. Quand on regarde, vous allez voir, il y en a partout. Il semblerait donc que l'un des moyens de locomotion les plus usités ici aux Malouines, ben, ce soit l'aviation et pourquoi pas l'aviation légère. C'est parti donc pour notre vol. Bah go, hein. On a autorisation, vous voyez que ça souffle, c'est clair. Allez, tout va bien. Andiamo. L'avion est d'une lourdeur. Dans la vraie vie, il est à peu près aussi lourd que ça, mais là, j'ai vraiment une impression de gros pataud à faire décoller. Par contre, une fois qu'il est lancé, ça va. On le voit, là, ça va à peu près. Un petit peu de vent travers. Ah, il faut se battre, hein. Ouais, il faut se battre, ça souffle. Allez, on décolle, on sera plus tranquille une fois en l'air. Je vous l'ai dit, c'est sans volet, tout ça. On rentre le train. Le train rentre. J'aime bien ça sur le PA-28. Cette version-là est très, très sympa. Vraiment. Et donc, nouvelle airborne avec le train rentré. Tout de suite alléger la charge sur le moteur. 2400 tours, ça suffit. Et puis, on va monter tranquillement. Alors, que voit-on tout de suite? Eh bien, ici, la ville de Port Stanley. Et dans cette baie là. Et puis la colline que vous voyez au fond là, qui porte un nom particulier, qui s'appelle le mont Kent. Alors ce mont là a été l'objet de combats âpres entre les Anglais et les Argentins. La majorité des combats pendant la guerre des Malouines se sont déroulés de nuit. Et pour une raison extrêmement simple, que vous allez d'ailleurs tout de suite comprendre quand on va survoler cette région. La raison est la suivante, il n'y a aucune protection. C'est une zone vraiment, j'ai envie de dire quasiment confrontée à des vents extrêmement fort et permanent, il n'y a pas un brin de forêt, c'est vraiment militairement parlant, ça a été probablement très 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 compliqué. La guerre s'est déroulée, et ben là vous voyez, on est au mois de mars, à deux mois près, fin mai et tout au long du mois de juin. Regardez-moi ça, comme c'est, comme il n'y a rien, il n'y a rien. On se croirait sur les montagnes qu'on a dans les Préalpes, des espèces de pâturages et puis point barre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on disait des Malouines, que c'était une île essentiellement peuplée d'ovins, de chèvres. Donc on va poursuivre notre route tranquillement. Ici étaient basés dans cette région-là trois groupes armés, la majorité on va dire des groupes militaires argentins, puisqu'ils avaient pensé
que les Anglais débarqueraient aux Malouines, à Port Stanley. Et par ruse, on va dire, les Anglais ont décidé de ne pas du tout débarquer là. Ils ont débarqué, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est d'ailleurs l'objet de notre balade. Les Anglais ont débarqué à San Carlos ici. Quand même loin. Vraiment loin par rapport à Port Stanley. Avantage tactique, probablement, le temps de se préparer. Avantage également intéressant pour qui a déjà fait de la randonnée. Marcher vent dans le dos, c'est toujours plus agréable que marcher vent de face. Et donc pendant la totalité de la campagne, les Britanniques ont eu la chance. Enfin, c'était calculé, ça j'imagine. Oui, je vais répondre au contrôleur. Voilà. Les Britanniques ont donc eu la chance, l'avantage, voilà, disons plutôt que la chance, l'avantage de naviguer, de randonner, de marcher ou de faire du yomping, comme ils disent, vent dans le dos. Alors, bon, tout fonctionne bien. Je vous l'ai dit, il y a un petit bug sur cette version du PA28. C'est vraiment dommage. C'est un bug lié à la dernière mise à jour de Flight Sim qui fait que quand on sort les volets, l'avion devient incontrôlable. Donc, on va considérer qu'on est sans volets et puis voilà. Allez, pour simplifier les choses, pour me faciliter ma charge de travail, il n'y a pas de raison. On va se mettre tout ça en pilote automatique. D'autant plus qu'il fonctionne à la merveille sur cet avion. Voilà, heading et halt, on est tranquille. Vous voyez, ces montagnes-là ont toutes fait l'objet d'âpres combats. Pourquoi ? Parce qu'elles donnaient une vue imprenable sur les positions argentines et elles ont permis aux Anglais d'installer, une fois conquises et au prix de rudes combats et de beaucoup de pertes. Vous l'avez vu dans le documentaire initial. Elles ont permis à l'artillerie britannique de s'installer sur ces hauteurs et pouvoir harceler et pilonner les Argentins. Le terrain ici présente, au-delà du fait qu'il n'y a aucune protection, la caractéristique d'être un terrain extrêmement humide. Et donc, pendant la campagne, l'artillerie, et en particulier l'artillerie britannique, s'est rendue compte d'une certaine inefficacité de leurs obus sur terrain humide. Pourquoi ? Parce que tout simplement dans ces tourbières, les obus s'enfoncent et explosent ensuite, donc avec un effet militaire quasiment nul. C'est uniquement dans une zone qu'on verra tout à l'heure, un peu plus rocheuse, rocailleuse, où finalement cette artillerie a eu un certain succès, on va dire. Mais vraiment, je dis ça de façon, comment dirais-je, toute relative. Vous avez compris mon aversion pour cette activité humaine qu'on appelle la guerre, et de façon théâtrale, souvent le théâtre des opérations. Donc nous voici au-dessus de ce théâtre des opérations. Je vous l'ai dit lors du briefing, nous sommes en train de remonter en sens inverse le chemin nord parcouru par les troupes britanniques. Donc, à partir du débarquement, un groupe est parti au nord, sur Douglas, puis Till Inlet, puis sur les montagnes que nous sommes en train de survoler, là, pour enfin obtenir la reddition des Argentins. Un groupe est parti plutôt au centre, et puis un groupe s'est tapé le trajet un peu plus long par le sud. Et notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Goose Green, qui est une base, enfin un aérodrome utilisé par les Argentins à l'époque. On va pas tarder à arriver aux environs de... C'est vrai que je suis pas du tout la navigation depuis... Je vous parle. J'ai pris un cap qui me semble pas trop déconnant. Alors, où sommes-nous ? Là, on est dans le détroit. Ouais, on est dans un détroit qui s'appelle le détroit Bickerley. Et on va arriver à Green Patch. Donc là, vraiment, sur notre gauche, une grosse partie des combats en montagne, ici, là. Vous voyez, il n'y a absolument aucune protection.
C'est la raison pour laquelle les combats se sont majoritairement déroulés de nuit. On a un petit cap un peu plus à l'ouest. Alors aujourd'hui encore, beaucoup de régions ici au Malouin sont minées, mais n'ont pas été déminées. Les Argentins n'ont pas pu fournir de plans précis des zones minées. Ce qui fait que même si ces îles ont retrouvé leur vocation touristique, hein, entre autres, hein, et ben on a de grands secteurs qui sont malheureusement toujours pas accessibles. S'il fallait encore démontrer la folie humaine, ben, en voilà une autre démonstration. Comment se rendre aux Malouines, si ça vous tente? Il va forcément falloir... Enfin, vous avez l'option de passer par l'Argentine, mais il y a également une possibilité, en décollant d'Angleterre, par un vol très particulier, organisé, enfin, comment dire, mené par la Royal Air Force. Donc, c'est possible. J'ai lu un livre de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce conflit, qui a pu se rendre aux Malouines par cette voie touristique, entre guillemets. Alors depuis 1982, hein, puisque c'est l'époque du conflit, les Anglais se sont installés un peu plus solidement sur la zone. Et ce faisant, et vous le verrez lors de la phase retour de notre vol, ont installé une base aérienne ici, une base aérienne conséquente, sur laquelle ont été basés donc initialement des fantômes, des tornados et aujourd'hui des typhoons. Donc là nous rentrons dans un autre espèce. C'est quand même assez joli, hein, regardez. On vient de passer le détroit Berkeley. Là on va arriver dans ce secteur là qui a une zone d'entrée ici, hein, c'est comme une espèce d'immense détroit, je ne saurais pas comment dire autrement. Et l'idée, c'est d'aller sur Teal Inlet, qui est ici, puis ensuite Douglas Station, puis le port de San Carlos, c'est la zone de débarquement. C'est ici que la marine britannique s'est positionnée, enfin pas toute la marine, bien entendu, mais beaucoup de navires se sont positionnés ici. Et c'est ici, évidemment, que l'armée de l'air argentine a attaqué en masse les navires britanniques. Imaginez également l'intérêt de ces montagnes, ces petites collines, hein, parce que ça monte pas très haut. Hein. On est au maximum sur du 500-700 mètres sur cette partie des îles Malouines. Imaginez l'intérêt aussi au niveau des communications radio. C'est vraiment tactiquement, stratégiquement important de conquérir les hauteurs, et ça l'a toujours été dans l'art de la guerre, entre guillemets, hein, vraiment. Permettez-moi de mettre d'énormes guillemets à tout ça. Alors, depuis la fin du conflit, les Anglais ont installé un VOR au Malouin. La fréquence est 114.7. Il est sur la base aérienne de Mount Pleasant, qu'on va aller visiter tout à l'heure. Donc, on va passer 114.7. Hein. Voilà. Ah, je vais y arriver. Voilà. Voilà. Et on le reçoit, c'est très très bien. Oui, je voulais également vous dire autre chose. Quand on regarde les Malouines, comme ça, on voit bien qu'il y a deux îles, hein, une île occidentale et puis une île orientale. La totalité du conflit s'est déroulée sur un quart de la surface, en gros, uniquement la partie orientale nord-est. Donc uniquement cette partie-là. Tout le reste, là, c'est absolument rien passé de particulier. À la limite jusqu'à Goose Green et Peeble Island qu'on va aller visiter, mais voilà, pas plus que ça. On va pas tarder à arriver à Teal Inlet. Alors imaginez un village qui regroupe pas grand chose, hein, comme habitants. Une trentaine,
peut-être à peine plus. Je vais essayer de retrouver ça exactement sur la carte. Teal Inlet. Alors, je vais regarder. On va regarder la carte ensemble. Voilà, essayer de se représenter les choses. Bon, on ne peut pas plus zoomer que ça. Donc, pour moi, on est par là. Donc, c'est cette espèce de truc qui part comme ça. Donc, ça, c'est les deux doigts, là. Ouais, on les voit bien. Devant, il devrait y avoir ça. Ouais. Ouais, ça se voit bien. C'est vraiment quelques petites îles. Une, deux, trois. Ouais. Teal Inlet devrait être là. Là, secteur. À mon avis, Teal Inlet, c'est là. On va ouvrir un petit peu plus à gauche pour aller chercher Teal Inlet. Mais il me semble probablement là. Ouais. Donc là, les zones un peu plus rocailleuses, elles sont ici, où l'artillerie britannique a pu donner toute sa puissance, on va dire. Mais après, tout le reste du temps, c'était chaud. Et c'est pas un conflit qui était gagné d'avance, hein, comme souvent on le dit. Déjà, du fait des moyens sur place, les Anglais étaient extrêmement restreints en termes de moyens. Du fait également de la dynamique des troupes argentines qui, même si elles étaient essentiellement constituées d'appelés, ont fait preuve d'une vaillance certaine, et puis aussi du fait des aléas du ce qu'on appelle encore une fois assez prosaïquement le brouillard de la guerre. Voilà, il y a pas mal d'aléas un tout petit peu compliqués quand même à gérer, et puis des pressions politiques, enfin bref, c'est un conflit en soi. Si on fait l'effort colossal de passer outre le drame humain, un conflit en soi qui est extrêmement intéressant par sa dimension politico-militaire. Allez, on va changer de réservoir. Voilà. Alors, c'est où Teal Inlet sur la carte? Ouais. Tac, ça pointe là. Donc, Teal Inlet est là en fait. Je vais essayer de vous montrer comment je raisonne pour trouver. Donc on voit ici cette partie d'île qui est là, qui pointe, avec une petite île ici, qui pointe sur une avancée, et à l'intérieur, à l'ouest de l'avancée, on a la ville. Pour moi, l'avancée, elle est ici, de toute cette partie-là. Même si c'est pas exactement comme ça que c'est dessiné sur la carte. Et derrière, à mon sens, il y a Teal Inlet. Je crois qu'il y a un aérodrome. On va confirmer, tiens, avec la belle carte VFR. Voilà, donc pour moi, Teal Inlet est là. Je ne suis pas sûr hein, qu'il y ait un aérodrome. Non, il n'y en a pas. Mais voilà, Teal Inlet est exactement dans ce creux-là. Après Teal Inlet, je vous propose d'aller sur un autre lieu de combat important de l'époque, Douglas. Qui s'appelle d'ailleurs Douglas Station. On remarque, au-delà du caractère désolé, qu'il n'y a pas 36 000 routes. Ça a dû pas mal restreindre les capacités de progression des Britanniques. Alors, entre Teal Inlet et Douglas Station, je pense qu'il faut prendre un cap au moins 300. Donc, on va ouvrir à droite. Allez, on se met un petit 300 et on est parti. Oui, c'est ça. Teal Inlet, c'est bien, on va le voir. C'est le village. Pff, le truc. 20 habitants à tout casser, probablement, qui est ici. Donc, il y a une route hein, qui fait Teal Inlet Douglas Station. Douglas, ça doit être par là-bas.
On commence à voir au fond la, l'île occidentale des Malouines. Voilà, Tilinet est le village qui est ici. Combat important ici à Tilinet. En vrai, je suis à peu près certain qu'on pourrait voir des dauphins, des manchots, des baleines, pourquoi pas. L'endroit doit être absolument superbe. Voilà, Tilinet. Bon, très bien, on peut même compter les maisons. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Allez, peut-être un peu plus. C'est un grand bourg des îles Malouines, Falklands Island, on va les appeler comme ça, puisque ce sont des îles qui sont anglaises. Bon, on a une météo, j'allais dire, standard de l'époque. Ici, je doute qu'il existe dans la réalité. Ouais, si, peut-être. Je le vois pas, en tout cas, sur la carte, c'est clair. Cette route, elle nous mène directement à Douglas Station, qui est après ce bras de mer, on va dire, un village qui devrait être par là-bas. Là aussi, des combats très, très importants à Douglas Station. Globalement, il a fallu... entre le débarquement et la fin des combats, environ 3 semaines d'affrontement, ce qui a paru une éternité pour les Anglais et en particulier pour les politiques qui avaient un besoin de résultats rapides. Ah, c'est marrant, on a l'impression qu'il fait de plus en plus beau qu'on laisse derrière nous les quelques nuages. Je crois qu'il y a un aérodrome à Douglas Station qui est validé sur la... Oui, on voit, il est là. Aérodrome sur lequel on ne va pas se poser. Mais vous voyez, voilà, pour le coup, mon cap, il est bon. Hein. On va droit dessus. Il y en a même un ici. C'est très surprenant quand on regarde la carte de préparation des vols de FS 2020. Il y a une densité de terrain d'aérodrome représenté ici au Malouines qui est incroyable. Ah, vous voyez, là, ça a l'air de rien, mais les rivières comme ça, à franchir, militairement parlant, ça doit être un véritable problème. Donc, c'est ces ponts-là qui sont de véritables verrous stratégiques. Celui-ci en particulier a dû en être un. Tout au fond là-bas, on le survolera tout à l'heure, le mont Usborne, qui lui aussi a été l'objet, non pas de violents combats, mais d'accrochages, on va dire, significatifs avec les troupes argentines qui étaient disposées ici, et comme je vous l'ai dit, qui ne s'attendaient absolument pas à l'arrivée des Anglais par ce côté-là. Voilà ce qu'il me semble être. Vous voyez ici, il faut vraiment s'habituer à voir ça comme ça, mais la ville de Douglas Station, là, ça me semble, par rapport à la carte, tout à fait cohérent. Ouais. Ouais, donc ça pour moi, c'est Douglas Station.
la montre. On voit bien ces espèces de... Enfin, cette fin de... du détroit, on va dire. Je ne sais pas comment appeler ça. Et puis, la ville. Je pense que c'est là. Ça me semblerait pas trop idiot. Je ne dispose pas d'informations... des plus précises, mais bon. On va prendre ça comme ça. Pour aller à Port San Carlos, donc dans le détroit de... dans le détroit de San Carlos, là où... la baie de San Carlos, pardon, là où les Britanniques ont débarqué, il va falloir prendre un cap, grosso modo, 260. Donc voilà, une scene route assez intéressante. Je pense qu'ils ne sont pas allés jusqu'à... Je vois pas l'intérêt hein, d'aller jusqu'ici, militairement parlant. Donc ils ont dû probablement passer au sud de cette rivière-là, les forces britanniques. Allez, on se prend à gauche, un 260. Et on file directement... Oh, ben on voit le terrain en question, vous voyez ? Petite piste en herbe de Douglas Station. Ces pistes ont dû servir, mais en même temps, franchement, ça n'a pas dû poser beaucoup de problèmes pour poser un hélicoptère ici. Je pense que les Britanniques ont eu l'embarras du choix. Mais vous l'avez vu dans le documentaire, beaucoup des hélicoptères prévus pour accélérer la marche, la progression des Britanniques ont été détruits dans le... la destruction de l'Atlantic Conveyor qui portait ces hélicoptères-là. C'est ça qui a aussi énormément rallongé le conflit. Les Argentins étaient persuadés lors de l'attaque, la destruction de l'Atlantic Conveyor, qu'ils avaient coulé un des porte-avions britanniques. Ce qui aurait mis, en vrai, je pense, un terme direct au conflit, si ça avait été le cas, si un des porte-avions britanniques avait été coulé. Les Anglais sont venus ici avec deux porte-avions, l'Invincible et l'Hermès, chacun équipé, disons, d'une petite vingtaine d'avions. En gros, 40 appareils, allez, à peu près, on va dire ça, contre l'armada argentine. Mais ce qui est surprenant, c'est que les Britanniques ont réalisé, je crois, quelque chose comme 2 à 3 fois plus de sorties que les Argentins. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'ici, les îles Malouines sont à peu près 400 nautiques de la première base aérienne argentine, ce qui, d'un point de vue logistique, a posé énormément de soucis aux pilotes de chasse argentins. Vraiment beaucoup de soucis. D'ailleurs, c'est indiqué dans le reportage, hein. Ce sont des gens qui ont fait preuve d'un courage incroyable. Je pense d'ailleurs que tous les belligérants, sans exception, tous les hommes qui étaient ici sur le terrain, de l'appelé argentin jusqu'à l'engagé britannique, des commandos Gurkhas par exemple, des commandos népalais, ces gens-là ont tous fait preuve de beaucoup de courage. Et on voit d'ailleurs dans le reportage que j'ai mis en introduction, la difficulté que ça a dû être aussi de se battre pour des idées validées par des politiques. On est à des mots forts d'un amiral britannique, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention pendant le documentaire. Donc là, on va arriver tranquillement à la baie de San Carlos. On a du vent de face, hein. C'est pour ça qu'on ramouille un petit peu, je dirais. Ça avance pas très vite tout ça, mais bon, voilà, c'est comme ça, on va faire avec. On a 94 nœuds de VS, ouais c'est ça, hein. Donc on a bien facile 30 nœuds de face. Pensez une chose, c'est qu'au retour, ce vent de face, on l'aura arrière, donc ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. En même temps, voilà, c'est l'idée aussi de profiter de ce vol touristique et pour moi, de vous parler de ce conflit qui m'a toujours intéressé,
Tiens, ah, je pensais que j'arriverais plus à couper la pompe. Qui m'a toujours intéressé avec, et j'insiste, un peu de recul, parce que la tentation est toujours forte quand on parle d'une guerre, de la magnifier, hein, de parler des combats comme le ferait un poète. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le documentaire en introduction. On voit bien qu'il n'y a absolument rien de poétique dans une guerre. Il y a juste la folie humaine, tout simplement. On va arriver donc dans le détroit des Falklands. On le voit devant nous. Imaginez-vous en 82, un détroit avec plein de navires britanniques ici, des frégates et autres. Et puis des avions de chasse, probablement argentins, qui venaient par là et qui allaient attaquer ici pour s'enfuir ensuite et retourner s'ils ne se faisaient pas descendre. Retourner sur leur base en Argentine, probablement avec la jauge de carburant quasiment à zéro, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui d'ailleurs, parce que vous voyez, j'ai fait le plein complet avant de partir. Et on a un moteur qui fonctionne à la perfection. Donc ça, c'est très cool. Donc la baie de San Carlos, on commence à la voir ici. Bon, vu le vent de face, on va pas aller jusqu'à Peeble Island. Vous voyez, on arrive par là. Ici, c'est le secteur de débarquement des Britanniques. Je vous l'ai dit, très très loin de Port Stanley. Hein. C'est vraiment un choix. Mais là, imaginez vraiment une zone qui était très bien défendue. Donc, ils ont préféré débarquer et puis, progressivement, nettoyer beaucoup de poches de résistance. Et peut-être même, je pense, entamer le moral des conscrits argentins. Notamment par des actions un petit peu... quasiment même médiatique, comme le débarquement des commandos népalais, les Gurkhas, qui sont réputés pour non pas pour leur finesse poétique, mais pour leur férocité au combat. Donc, leur débarquement avait été annoncé à l'époque en grande pompe, violant tous les secrets militaires même, mais peu importe. Et ça a conduit à la reddition de nombreux conscrits argentins, qui, il faut se mettre également à leur place, ont attendu pendant plus d'un mois, dans le froid glacial des Malouines, l'arrivée des Britanniques. Donc un mois d'attente, c'est long. C'est long et ça émousse probablement le moral. Pour des jeunes gens dont le métier n'était pas de combattre, hein, aussi. Donc nous voilà de l'autre côté des îles de l'île orientale des Malouines. On va pouvoir observer la zone du débarquement qui est évidemment bien choisie. Hein. Les Anglais sont pas loin d'être des gens stupides, protégés par des petites collines. Les forces spéciales anglaises observaient ce secteur depuis de nombreuses journées. Et c'est vraiment un secteur dénué, quasiment dénué de défense. On va dire le point le plus faible des îles Malouines, où les Anglais ont décidé de débarquer. Évidemment qu'on ne débarque pas sur un point fort. Omaha Beach, par exemple, en a été la malheureuse illustration. Donc là, c'est... on va voir Port San Carlos, je crois, un petit village qui doit être par là. Il me semble voir une maison. Et puis, San Carlos en soi, qui doit être là, dans le petit creux, là, par là. Je sais pas à quoi correspondent ces zones. Vous voyez, y a comme des secteurs de parking, comme si c'était des vestiges de la guerre. Je ne suis pas sûr, cela dit, mais on ne dispose pas encore des cartes réelles, hein, que les Anglais soient intervenus sur cette partie-là, à moins qu'ils aient débarqué une partie de leur force ici pour faire route direct sur Douglas Station. Semblerait quand même que oui. Hein. Bon. « 90 nœuds »
Eh bien, heureusement qu'on aura le vent arrière tout à l'heure. Là, on est vraiment sur... Oui, j'ai 125 nœuds de VI, quasiment 130 nœuds de VP, 90 nœuds. Ça me fait 40 nœuds de face. On les aura en arrière tout à l'heure, mais on voit que la mer est forte hein, quand même. Donc, nous voici sur le lieu du débarquement des Anglais. Imaginez un secteur couvert de navires, ici, ici, avec des hélicoptères, avec ici des frégates en protection, des avions de chasse argentins, des avions de chasse anglais qui protègent le débarquement. Enfin, voilà. Alors, c'est où le petit village de... On va regarder ça de l'extérieur, il n'y a pas de raison. On peut se faire plaisir aussi. Hein. Voilà, ben c'est là. Voilà, donc ça, c'est Port San Carlos. Joli port de pêche. Il y a même un aérodrome, je pense, qu'on est quasiment vertical. Voilà. Port San Carlos by night. Je n'ose pas imaginer ce que ça peut donner. Alors, on va virer à gauche. Et là, on a la... la zone où aussi une grande partie du débarquement a eu lieu, avec San Carlos qui est là. Et là, vous allez voir d'un coup que tout va défiler beaucoup plus vite parce qu'on va se retrouver vent dans le dos vers Goose Green. Alors, Pebble Island, l'île dont je vous parlais, est quasiment tout au bout là-bas. Vous voyez le sommet là ? Bien, juste avant, là, je vous montre sur la carte. Voilà, c'est le sommet qui est ici. Et juste avant, à l'est, il y a Pebble et là, il y a un petit aéroport, tout petit, qui servait de base de départ des avions à hélice bimoteur Pucara. D'ailleurs, je vais essayer de vous les... Voilà. Alors, si on peut... Voilà. Counter Insurgency Aircraft. Avion initialement conçu pour... Je pense qu'on peut le dire, asseoir la puissance de la junte au pouvoir. Donc c'était ces avions-là, dont on en voit un qui a été détruit probablement pendant la guerre des Malouines. Donc ces avions-là, il y en avait à Pebble Island et à Goose Green, qu'on va aller voir tout à l'heure. Alors, sauf erreur de ma part, je veux juste confirmer, cet avion n'a pas été vendu à d'autres pays. Il est encore en service dans les forces aériennes Argentine. C'est un biplace bimoteur hein, qui peut être équipé d'armements tactiques extrêmement puissants, des roquettes, des bombes à dispersion, enfin bref, tout le panel de la créativité humaine. Ici, San Carlos, ça m'a l'air un peu plus grand. Là, ça doit être la discothèque de San Carlos. Allez, à partir de San Carlos, on va prendre un cap sud pour aller à Goose Green. Là, on voit déjà que ça galope un peu plus vite. Hein. Alors, Goose en anglais, vous allez me dire, c'est le nom du navigateur de Maverick dans Top Gun. Mais je crois que c'est le nom d'une bestiole. Oui, c'est une oie. Donc, Goose Green, ça veut dire l'oie verte. On va aller sur le terrain de l'oie verte, qui est pas loin d'un... Peut-être un peu plus fort comme cap, quand même. Qui est pas loin d'une grande ville qui s'appelle Darwin, où là aussi était stationnée, quand même, une partie non négligeable des forces argentines. Donc on va tenter de trouver Darwin... Vous voyez, le premier challenge des Britanniques, c'était de franchir ces cols, ces petites montagnes, puis de redescendre et d'aller affronter les Argentins derrière, tout simplement. Voilà, ça c'est cool avec ce vent-là, vous allez voir. On va aller beaucoup plus vite qu'à l'aller. Alors, on est où ? Là, il y a un point très caractéristique qu'on peut voir.
voyez cette espèce de petite langue là, ben, on la voit, elle est là. Donc on a passé, on est là, on va longer jusqu'à trouver la liaison, si vous voulez, entre l'île orientale du Nord et du Sud, le détroit Grand Ham et le détroit Choiseul. Donc là, il y a une partie de terre, Darwin et Goose Green. J'ai l'impression que je surestime un peu la dérive. Donc on va prendre un cap comme ça. Voilà, là on est dans le détroit de Grand Ham. Ici, le mont dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui est le mont Usborne. Qu'il fallait prendre. De toute façon, toutes les petites hauteurs que vous voyez là étaient autant de points d'observation à prendre. Cette route, très probablement, une route qui a mené jusqu'à Darwin, qui mène jusqu'à Darwin. Donc la Malouine occidentale, où il n'y a eu aucun combat, je vous rappelle. Et il me semble voir la liaison entre les îles, l'île du Nord et l'île du Sud. L'île orientale Nord et l'île orientale Sud. On voit bien cette route-là. Voilà, imaginez-vous donc la progression des Britanniques de part et d'autre de cette route, probablement l'installation de pièces d'artillerie par là, pour pouvoir bombarder Darwin et Goose Green. Donc là, ça se voit très très bien, vous voyez là, la liaison entre les deux îles. Donc ici, pas d'affrontement particulier, vraiment. Cette île s'appelle Lafonia, cette partie sud des Malouines. Il faut s'imaginer également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les Argentins ont eu un mois à peu près pour se préparer. Je pense que les pilotes de chasse argentins ont eu également un mois pour s'entraîner à reconnaître la zone, parce que franchement, naviguer dans ici, bon là je le fais tranquillou, on est, vous voyez, à 2000 pieds, ça va quoi, hein. Mais naviguer ici avec aussi peu de caractéristiques, ça ne doit pas être si simple que ça. Donc encore une fois, chapeau, hein, en particulier aux pilotes argentins, vraiment. Donc là, on va voir le village de Darwin, qui devrait être par là. Et puis l'aérodrome de Goose Green, de l'Oie Verte, donc. Ensuite, nous prendrons un cap à l'ouest, direction, bah, tout simplement, à l'est, pardon, direction la nouvelle base aérienne, qui a été construite suite à cette guerre des Malouines par les Anglais. Et nous revoilà dans la météo. On ne peut pas dire qu'il fait mauvais, hein. Franchement. On est sur du beau temps malouinien, là. Un village ici, mais c'est pas Darwin. Je pense. On va voir. Hein. Ça doit être là. Moi, je l'aurais mis là, vous voyez, avec cette petite crique. Mais encore, si je regarde ma carte, ouais, c'est peut-être là. Ah, plutôt là-bas, voilà. On voit quand même qu'il y a 2-3 maisons qui se courent après. Ça doit être ça. Et le vent qui me décale. Parce que le terrain de Goose Green est un peu plus au sud, il doit être par là. Ouais, Darwin, ça doit être là. Je pense que l'activité principale ici, c'est où les moutons ou la pêche. Je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre dans ce secteur, hein, franchement. Alors, on est où ? Voilà. Vous voyez le terrain de Goose Green, il est là. Darwin est par là. Voilà, là c'est Darwin. Est-ce qu'on voit la piste en herbe de Goose Green ? Pas trop. Quand même qu'il y a une route assez bien construite. Et il y a même des gens qui circulent en voiture, donc bien qu'il y a quelque chose à faire ici, hein. Donc ici, des troupes installées dès le début du conflit,
et que les Anglais se sont cru bon de déloger. Donc ça a donné des combats aussi significatifs là à Darwin, c'est ici donc. Le terrain de Goose Green, d'où décollaient les Pucaras, à mon avis, il est là. Il semble voir quelque chose orienté est-ouest, ça serait tout à fait cohérent que ce soit cette petite bande de terre là. Voilà donc Darwin. Allez, un cap, comme je vous le disais, à peu près 090. On va aller survoler la nouvelle base aérienne, fierté, je pense, de la Royal Air Force. Et vous allez voir qu'on va prendre un coup de pied au cul avec nos 40 nœuds de vent arrière qui vont nous faire un très grand bien. Alors là, vous devez l'entendre, mon téléphone sonne. Je le coupe. Ah oui, je suis en vol au Malouine. J'ai pas le temps de répondre. Peut-être qu'on verra. Non, non. On voit bien. En tout cas, ça a l'air... C'est quand même un gros bourg, Darwin, par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début. Donc là, on va aller sur la base dont je vous parlais tout à l'heure. À Levor, c'est 114.7. Sauf erreur de ma part, je vais juste reconfirmer ça. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir de recevoir quoi que ce soit. 114.7, le voir de Mount Pleasant. Ouais, c'est ça. Et je vais l'afficher ici aussi. Tiens. Ah, on voit bien qu'on l'a. Normalement, on devrait être voilà, sur du 0,90. Oui, c'est cohérent. Donc on est bien sur le bon QDM. On va la survoler direct, cette base aérienne. Et voilà, évidemment, j'étais en mode GPS. Ah là 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 là. Je peux vous garantir que il y a des baffes qui se perdent. Voilà. Bon, c'est le seul vor des îles. Il n'y en avait pas à l'époque, évidemment. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Donc tout ça, c'est la partie sud de la progression des forces britanniques qui ont dû probablement longer cette route. Cette partie est beaucoup plus longue que la partie centre et nord, à pied évidemment, hein, beaucoup plus longue. Elle a mené à des combats significatifs et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va le voir au niveau de Fitzroy Bluff Cove, un désastre majeur. Le désastre principal pour les Britanniques de cette guerre des Malouines. On le voit très bien d'ailleurs dans le documentaire que j'ai mis en introduction. J'aime bien changer les réservoirs comme ça, hein, régulièrement. Et puis vérifier qu'on est ras la gueule en pétrole, ça me plaît aussi. Si je veux m'amuser à la radio, normalement, on devrait... Aéroport de Stanley, comment ? Eco Golf, Yankee Papa. Oui, aéroport de Mount Pleasant. Allez, vous savez quoi ? On va demander une transition dans l'espace de Casse-D. Oh, on a quoi comme VS ? 168 nœuds ! Ça fait plaisir. Eh ben, c'est gentil. On est autorisé par les militaires britanniques. Je pense pas qu'il y ait une activité absolument débordante aéronautiquement parlant ici. Donc voilà, on constate quand même, c'est très net, hein, une zone dépourvue. D'un point de vue militaire dépourvu de protection. D'où, je le répète encore, l'idée que l'immense majorité des combats se sont déroulés de nuit, avec des Britanniques un tout petit peu mieux équipés et habitués et entraînés aux combats de nuit. Donc l'aérodrome qu'on va survoler, l'aéroport qu'on va survoler, la base aérienne qu'on va survoler, n'existait pas à l'époque. De la guerre des Malouines, évidemment.
elle a été construite, je vous montre, elle a été construite ici, sur cette route entre Darwin et Fitzroy. On est déjà là, hein, quasiment. Avec nos 168 nœuds de VS, c'est quand même sympa. Je vais taper, tiens, on va regarder base aérienne Malouin. Je vais y arriver. C'est la base de Mount Pleasant. Voilà, on peut voir qu'il y a des photos sympas d'avions de chasse type fantôme. Voilà, British Forces South Atlantic Island Mount Pleasant Complex. J'aime bien ces photos totalement retouchées. Alors ça, je sais pas. Non, ça, c'est un truc qui est argentin, hein, forcément. Et ça, c'est la base aérienne de Mount Pleasant. On va la survoler en venant de l'est. On voit bien des tornados ici. Ça doit être un détachement assez intéressant pour un pilote de chasse argentin. Alors si c'est la base en question, j'ai quand même un doute. Ouais, il faut quand même se méfier des photos quand on les défile comme ça. Donc c'était pas la base. Alors la voilà, cette belle base aérienne de Mount Pleasant. Superbe. Superbe base. Alors là, ces bâtiments, à mon avis, c'est complètement exagéré. Il faudrait que quelqu'un se tape le travail de nous la faire proprement. Mais ben, elle n'est pas du tout comme ça, pas du tout. C'est pas possible, d'autant plus que des bâtiments comme ça, installés dans l'axe de cette piste, ben, c'est pas ça. Par contre, là, il y a un gros complexe, à mon avis, militaire. Et les hangars où sont stationnés les avions de chasse sont plutôt par là. On devrait, vu comment on passe, on devrait le voir. Je pense qu'il y a également ici tout un tas de stocks. Ça doit être des stocks d'armement, des choses comme ça. Un bâtiment en ruine ici. Je me demande ce que c'est. Eh, c'est limite si on galope pas trop vite maintenant. Voilà, donc ça, on voit bien le chemin de roulement. On voit bien également ces zones-là, qui sont, à mon avis, des zones où on peut parquer des avions de chasse et... Tout le secteur avion de chasse est ici, à mon avis. Alors, les forces britanniques qui ont transité au sud sont remontées ensuite direction Port Stanley. C'est ce que nous allons faire. Et comme ça, bah, vous aurez fait comme si vous étiez un touriste, le tour de l'île. De Port Stanley, des Malouines, la partie, je répète, la partie nord de l'île occidentale, commentée par un guide touristique. Alors, je ne connais pas tout, hein, de la guerre des Malouines, mais c'est un conflit sur lequel je me suis quand même pas mal documenté. Alors, voilà l'endroit dont je vous parlais tout à l'heure, ici, la baie de Fitzroy et la baie de Bluff Cove. C'est l'idée, en fait, pour les Britanniques d'apporter des renforts supplémentaires, en gros, de tenter un autre débarquement au moment où le gros de la partie sud arrive ici. Vous l'avez vu dans le documentaire, le débarquement a été fait dans la mauvaise crique. Il y en avait une plus protégée que l'autre. Je ne me souviens plus, là, maintenant, de son nom. Ce débarquement s'est fait malgré les réserves affirmées du colonel qui intervient dans le documentaire et a abouti à un désastre. D'ailleurs, je pense qu'on peut le regarder en direct. Hein. Je vais taper juste Bluff Cove. Et à mon avis, ça doit s'écrire comme ça. Voilà. Oui, apparemment, c'est un lagon, ça se visite. Voilà, Bluff Cove, garde des Malouines. Oui, et ben voilà, le désastre de Bluff Cove. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir dessus, hein, puisque ça faisait partie
du documentaire, mais voilà. C'est ici donc, dans la baie de Bluff Cove, que s'est déroulé. Je vais essayer de vous positionner ça correctement. Pardon, Bluff Cove, c'est ici. Voilà. C'est ici, dans la baie de Bluff Cove, que s'est déroulé, là, précisément, un désastre majeur pour l'armée britannique. Il y a d'ailleurs un cimetière qui est installé là. Évidemment, cimetière où sont enterrés tous les soldats qui sont morts ici, du fait de la bêtise, pour pas dire autre chose, humaine. 50 morts, plus de 50 morts. 150 blessés suite à ce débarquement raté et un raid de quelques avions de chasse très opportunistes argentins, des A4 Skyhawk. Ce sont des avions de construction américaine qui ont servi au Vietnam, pour vous dire un petit peu la longévité de ce type d'avion. Vous voyez, c'est typiquement ces avions-là. Donc là, ils sont aux couleurs américaines, hein, mais les Américains en ont vendu aux Argentins et ils ont beaucoup, beaucoup servi pendant la guerre des Malouines. Ce sont des avions qui peuvent porter jusqu'à 3 fois leur poids en armes, quand même, et qui sont surtout ravitaillables en vol. Ça, c'était un élément très, très important pendant cette guerre des Malouines. Donc voilà, imaginez-vous, ici, là, dans ce secteur-là, le désastre en question. Quelle folie. On voit très bien, arrivant sur ces hauteurs-là, eh bien, qu'on voit la baie de Port Stanley. Et c'est à partir de là que les Anglais ont pu installer leur artillerie, ont pu communiquer. Vous voyez ici, là, il y a un bâtiment qui servait également de relais radio. C'est pas le point le plus haut, mais il est très très bien placé sur les îles Malouines. C'est le mont Kent dont je vous parlais tout à l'heure. Mont Kent, il est là. Voilà, nous avons donc quasiment terminé ce tour des Malouines. J'espère que ça vous a plu. Je vais aller jusqu'à l'atterrissage, parce que je pense qu'il y a un petit challenge malgré tout. Et puis voilà, cela terminera notre nouvel épisode de l'aviation et l'histoire. Ah, on voit qu'on galope, hein, contrairement à tout à l'heure. Voilà le mont en question avec le relais radio. Allez. Ok. Allez, pareil, on va contacter l'aéroport de Stanley sur lequel on va se poser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit bug sur Flight Sim qui fait que je dois me poser sans volet. Et en même temps, avec ce vent, c'est pas la peine d'aller sortir les volets. Alors on voit qu'elles tournent, hein, les éoliennes. Hein. C'est normal. Je pense qu'elles aussi ont été construites après-guerre. La guerre des Malouines est quand même un conflit inédit. L'un des derniers conflits, on va dire, symétriques, hein, entre deux forces armées constituées. Et puis surtout, son côté inédit, c'est un conflit majeur entre deux pays du bloc de l'Ouest, quand même, puisque l'Argentine et l'Angleterre sont alliés des États-Unis, ce qui a d'ailleurs mis les Américains dans une position extrêmement inconfortable tout au long de ce conflit. Et ça aussi se voit très bien dans le documentaire que j'ai mis en introduction de ce vol.
personnellement, ça me donne envie d'aller d'aller voir ce monde, cette région-là. Nous revoilà donc face au détroit de Berkeley, je crois que c'est ça. Berkeley, en anglais, Berkeley, peut-être, je sais pas comment ça se prononce. Et toujours ce même paysage extrêmement aride, sans aucune protection militaire. Je pense pas qu'il y ait eu ici des combats extrêmement importants. Les Argentins se sont rendus finalement assez rapidement. Enfin, c'est toujours ça, c'est a posteriori toujours extrêmement facile à dire. Alors, il est où notre terrain ? On voit, parce que moi je discute, oui, le terrain il est là-bas, hein. je discute, mais je me laisse embarquer comme ça, bêtement. Il m'a dit left, mais bon, allez, on va se mettre en vente arrière gauche. C'est pas grave. Je suis vraiment désolé. Ouais. Parce que je me laisse emporter comme ça par la discussion et j'en oublie de naviguer. Voilà, donc la piste est là. Voilà, on va se mettre comme ça. On dirait un sous-marin. Alors à propos de ça, évidemment, vous l'avez vu dans le reportage, les Anglais avaient des sous-marins sur place, mais les Argentins également, dont un s'appelle le Santa Fe, qui a coulé. Je ne sais pas si bon, vous avez suivi l'actualité d'il y a quelques années, mais c'est un sous-marin qui a coulé, et entraînant la perte, le décès de tout l'équipage. Et il a été trouvé que très récemment. Il a été retrouvé le lieu du naufrage, enfin de l'explosion, parce qu'il a explosé sous la mer. Ces sous-marins-là, il y avait le Santa Fe et le San Luis, je crois. Des sous-marins allemands, des sous-marins diesel. Diesel, pas des U quelque chose de la Seconde Guerre mondiale, hein, des sous-marins diesel très performants, qui auraient pu causer de véritables soucis à la flotte britannique. Allez, le train est sorti. On est en vente arrière. Vous savez quoi, je vais quand même montrer que je sais à peu près piloter un avion, parce que j'étais en pilote automatique depuis le début. Allez, je vais lui dire qu'on va se poser, parce que... Non, c'est bon, il va me l'autoriser lui-même. On va partir tout de suite, parce qu'on va se faire balader par le vent, là. Allez. Nous voilà donc tranquillou en étape de base. Imaginez bien un vent de 270 pour 40 nœuds. Donc vraiment, il me déporte, on le voit. Hein. Vraiment, c'est pas la peine d'attendre une minute après le seuil de piste pour partir en étape de base. Hein. Là, on voit bien qu'on est baladé. J'approche sans volet. Je ne vais pas prendre le risque de sortir les volets du fait du bug de Flight Sim, qui je pense va être très rapidement corrigé. Alors, pompe, phare, volet, plein riche, plein petit pas. Ouais, on a tout, c'est bon. Jolie piste en dur quand même. Hein. Jolie piste en dur, mais qui a une particularité, vous voyez. Il semblerait qu'il n'y ait qu'une partie utilisable. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à la réalité. Alors cette piste, les Argentins auraient pu l'allonger pendant le temps de transit de la flotte britannique, et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi l'allonger ? Par exemple, pour y baser directement leurs chasseurs. Je pense que s'ils avaient fait ça, la guerre aurait pris une autre tournure. Mais bon, voilà.
Ça fait partie des décisions comme ça qui sont prises pendant les guerres, qui aboutissent à des résultats. Donc vous voyez, manifestement, une grosse partie de la piste n'est pas utilisable. C'est une piste qui a été bombardée, rebombardée par les Britanniques, notamment à l'aide de bombardiers Vulcan lors de l'opération Black Buck, une opération très intéressante, des bombardiers qui ont décollé d'Angleterre quand même pour venir faire leur bombardement ici avec une escale sur les îles de l'Ascension. Allez, on se concentre 2 minutes. Sur Flight Sim, c'est jamais gagné l'atterrissage. Je me pose un peu sec du fait de ce vent là. Je vais essayer de maintenir le contrôle. Et j'espère qu'il n'y a pas de bug. Je vais pouvoir dégager là, la première à gauche. Hop, je visais pas celle-là, bon tant pis. Je vais dégager à une autre. Voilà, celle-là. Oui. On va pouvoir sortir. Allez. On sort en Charlie. Je veux bien contacter le ground. 118.1. Allez. Allez, vous savez quoi, on va aller à côté du TBM, qui est quand même une jolie gueule. Hein. Voilà donc ce qui termine notre vol et cet épisode de l'aviation et l'histoire ici aux îles Malouines et en particulier à Port Stanley. À bientôt pour un nouvel épisode. Bon, j'ai pas encore choisi le thème d'ailleurs.